Vous êtes sur la télévision panafricaine, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. L'État guinéen vient de perdre une nouvelle fois sa bataille judiciaire contre K-Energy devant la Cour de justice de la CEDEAO. La juridiction sous-régionale, dans une décision rendue le 5 décembre dernier, condamne l'État guinéen à payer 47,5 millions de dollars à l'entreprise de fourniture d'électricité. Nous irons également en RDC dans cette édition d'information, plus précisément dans l'est du pays, pour parler des présidentielles en perspective. Sur le terrain, on parle de l'abandon des déplacés de guerre. Pendant ce temps, les pressions internationales se multiplient pour un cessez-le-feu à Gaza. C'est tout pour les principales articulations. Mesdames et messieurs, le développement dans un instant. Une fois encore, bonsoir, bienvenue à tous. Je vous le disais dans le titre, nouvelle défaite de l'État guinéen dans la bataille judiciaire qui l'oppose à l'entreprise de fourniture d'électricité K-Energy. Selon nos confrères du site d'information laguinée.info, la nouvelle décision dans cette affaire rendue par la Cour de justice de la CEDEAO le 5 décembre dernier va coûter 47,5 millions de dollars à l'État guinéen. Cette procédure judiciaire remonte depuis 2020 sous la gouvernance d'Alpha Condé. En 2020, l'État guinéen a été reconnu coupable de violation des droits de propriété par la Cour de justice de la CEDEAO, l'ordonnant ainsi de rendre tous les biens qui ont été saisis à l'entreprise de fourniture d'électricité K-Energy, ces avoirs étaient composés des logements de service, des bureaux de turbines électriques mobiles et des installations connexes. Depuis 2018, l'entreprise a fait recours à la juridiction régionale pour que justice soit faite, accusant le gouvernement de la Guinée de lui avoir retiré ses biens auprès d'une autre entreprise non étatique. K-Energy a donc réclamé un montant de 500 millions de dollars pour tous les dommages qui lui ont été causés. Il est important de rappeler que K-Energy a fourni 75 MW d'électricité à la Guinée pendant plusieurs mois avant que ses biens ne soient transférés en violation des droits de propriété à une autre entité dénommée guinéenne de l'électricité. La valeur de l'ensemble de ces biens a été estimée 150 millions de dollars selon les informations. Insatisfaite du jugement, la Guinée a porté plainte dans l'espoir de renverser les choses. Mais la demande a été rejetée et la Guinée a écopé d'une amende de 47,5 millions de dollars. Le média aligne laguinée.info à travers sa source rapporte que l'État guinéen préparait une plainte contre un certain Diani, ancien proche du pouvoir déchu, propriétaire de GDE, à qui les actifs de K-Energy ont été transférés. Direction Mandiana, où un éboulement meurtrier s'est produit dans une mine d'or à Kondianokoro dans la nuit du dimanche 10 décembre, situé à environ 85 km de la préfecture de Mandiana, cet incident malheureux a coûté la vie à 6 personnes. C'est dans la matinée de ce lundi que leurs corps ont été extraits de la boue. Cet éboulement meurtrier minier s'est produit dans la nuit du dimanche à lundi 11 décembre à Kondianokoro, une sous-préfecture située à 85 km du centre-ville de la préfecture de Mandiana. Le bilan provisoire fait 6 morts. Les corps des victimes ont été extraits dans la matinée du lundi. Selon le sous-préfet de Kondianokoro, le drame a eu lieu à Sadanmokoloé, zone de mine d'or de la localité. D'après lui, ces orpailleurs artisanaux étaient au nombre de 7 personnes, parmi lesquelles une seule survivante qui a donné la triste nouvelle. Les 6 autres ont trouvé la mort dans cet accident minier. Parmi les victimes, 4 personnes sont originaires de Kondianokoro, un originaire de Kankan et un autre de Kourousa, a confié le capitaine Mamadi Keita, sous-préfet de Kondianokoro. Je vous le disais également dans les titres, dans un camp de fortune près de Goma, la capitale du Nord Kivu, vivent des personnes ayant fui les exactions des groupes armés actifs dans l'est de la RDC. L'un d'entre eux, le M23, s'est emparé de pans entiers du pays depuis 2021.
Selon l'ONU, près de 7 millions de personnes ont été déplacées en RDC, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Ces infortunés attendent du vainqueur de la présidentielle du 20 décembre la fin de l'insécurité dans leur territoire. Au cours des 5 dernières années, le président a fait beaucoup de promesses. Certaines ont été tenues, d'autres non. Maintenant, nous espérons que le président qui sera élu pourra mettre fin à cette guerre qui devient insupportable, car notre souhait est de retourner dans nos villages. Ces hommes et femmes qui se sentent déjà abandonnés risquent aussi de ne pas participer au choix de leur futur président. Ils n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales et sont amers. Je dois voter parce que j'en ai le droit et je dois voter pour quelqu'un qui le mérite parce que dans d'autres élections, nous avons élu des gens qui ne le méritaient pas et aujourd'hui, nous souffrons d'un manque de sécurité. Je suis en colère parce que je ne pourrai pas voter. Mais j'aimerais que Tshisekedi puisse être réélu parce que c'est grâce à lui que nous vivons encore ici. Autrement, le M23 serait déjà là. S'il n'est pas réélu, son successeur devra combattre le M23 et le forcer à quitter nos villages pour que nous puissions rentrer chez nous. Selon les Médecins sans frontières, des dizaines de milliers de familles fuient toujours les violences dans le Nord Kivu. En Afrique du Sud, le roi Mosejulu, qui règne sur le royaume des Zoulous depuis mai 2021, pourrait être détrôné. La reconnaissance de sa royauté provoque des réactions. La justice sud-africaine a estimé que la reconnaissance officielle de son règne accordée par une ordonnance du président Cyril Ramaphosa était illégale. Après le décès de son père, Mosejulu, 49 ans, a été désigné en 2021 comme monarque des 10 millions de Zoulous qui vivent en Afrique du Sud. Mais son couronnement traditionnel a été retardé de 15 mois jusqu'en août 2022 du fait de querelles liées à la succession royale. La demande en justice était portée par le prince Simakade, un frère aîné du roi Mosejulu, qui souhaite récupérer son trône. Depuis la mort du roi Godwill en mars 2021, qui dirigeait sa nation Zoulou d'une main de fer, la famille royale se déchire. Avec près de 30 enfants issus de 6 mariages officiels différents, la succession du roi des Zoulous est plus que délicate. Pour ne rien arranger, quelques mois avant son décès, son fils aîné est lui-même décédé dans des conditions troublantes. Toujours dans l'actualité hors de nos frontières, au Kenya, pendant ce temps, Lupita Nyong'o présidera le jury de la Berlinale, le festival du film de Berlin en février 2024. L'actrice kenyane deviendra ainsi la première personne noire à occuper cette fonction prestigieuse. Avant elle, d'autres personnalités comme l'actrice chinoise Kong Li, l'américaine Meryl Streep ou encore le réalisateur Paul Verhoeven avaient présidé le jury de cet événement culturel majeur. La Berlinale est l'un des trois grands festivals européens de cinéma avec Cannes et Venise. Âgée de 40 ans, Lupita Nyong'o a accédé à la notoriété en 2013 grâce à son rôle dans le film 12 Years a Slave, une performance qui lui a valu de nombreuses récompenses, notamment l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2014. Je vous le disais dans les titres, l'Assemblée générale des Nations unies se prononce ce mardi sur un cessez-le-feu humanitaire immédiat, comme pour dire que la situation à Gaza demeure une grande préoccupation. Une situation apocalyptique dans la bande de Gaza, c'est le mot utilisé par Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Selon lui, le niveau des destructions des immeubles à Gaza est équivalent à celui des villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale.
L'ONU ne cesse d'alerter sur la situation catastrophique dans la bande de Gaza, où le système humanitaire est, selon elle, au point de rupture. À cause des pénuries et des bombardements incessants, le Croissant Rouge a dénoncé lundi plusieurs raids violents autour de l'hôpital Al-Amal, près de Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Le dernier bilan du Hamas rapporte plus de 18 200 Palestiniens tués dans l'offensive israélienne. Sahal déplore de son côté 105 soldats tués. L'armée israélienne a annoncé lundi soir un point de contrôle supplémentaire pour l'inspection de l'aide humanitaire internationale avant son entrée dans la bande de Gaza par Rafah. Ce mardi, l'Assemblée générale de l'ONU discute à nouveau d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Un projet d'accord final de la COP28 organisé à Dubaï est jugé décevant. Le texte provisoire soumis aux participants ne mentionne pas la fin programmée des énergies fossiles. Au dernier jour prévu de la COP28, les partisans de la sortie des énergies fossiles tentent d'obtenir le maximum face au bloc miné par l'Arabie Saoudite. Dans l'accord final négocié par les Émirats Arabes Unis, le dernier projet de texte mis sur la table lundi par Sultan Al-Jaber est jugé trop faible pour l'Union européenne. Les États-Unis, les petits États insulaires et de nombreux pays sud-américains pour répondre à la crise climatique. Close Adversiting, ce document de 21 pages laisserait en effet toute latitude aux pays signataires de l'accord de Paris pour choisir leur manière de réduire des énergies fossiles sans obligation. Il ne fixe plus aucun objectif aux commandes de sortie du pétrole, du gaz et du charbon, pourtant envisagés dans les versions antérieures. L'actualité sportive à présent, avant de se quitter au compte de ce journal, Awara 2023, l'attaquant nigérian Victor Osimhen et sa compatriote Asisat Oshoala ont été élus meilleurs joueurs africains de l'année 2023, c'est les hommes et c'est les femmes, lors d'une cérémonie organisée par la Confédération africaine de football lundi à Marrakech. Nous sommes bien sûr au Maroc. Osimhen, champion d'Italie avec Naples, la saison passée et quart de finale de la dernière Ligue des Champions était en compétition pour cette récompense avec l'Égyptien Mohamed Salah à Liverpool et le défenseur marocain Achraf Hakimi. Le joueur de 24 ans succède au Palmeiras à l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Le buteur masqué autour de 6 buts en championnat cette saison en avait inscrit 26 lors du précédent exercice, largement contribuant au troisième titre des Napolitains et le premier depuis l'ère Diogo Maradona. Depuis un choc brutal fin 2021 qui lui avait causé de multiples fractures de l'orbite de l'œil et de la pommette gauche, l'attaquant international nigérian évolue avec un masque de protection frappé du logo V9, devenu un objet fétiche convoité par les supporters. Osimhen succède au Palmeiras au Sénégalais Sadio Mané, distingué en 2022, le dernier joueur nigérian à avoir été couronné Nyankuo Konu en 1999. Sa compatriote Asita Oshoala, qui évolue au FC Barcelone, a été élue quant à elle distinguée chez les femmes lors de la même cérémonie. Buteur star du Super Falcon Oshoala, 29 ans, était l'une des pièces maîtresses de la sélection nigériane qui s'était hissée en 8e de finale de la Coupe du monde de football cet été et Océanie avant d'être éliminée par l'Angleterre au tir au but. Oshoala a accumulé les trophées avec le Barça avec cette saison, remportant la Ligue des Champions, même si elle avait déclaré forfait pour la finale contre Wolfsburg en raison d'une blessure, ainsi que le championnat et la Coupe d'Espagne. Elle est en compétition pour la récompense de meilleures joueuses américaines avec la Sud-Afrique Tchendi Kala et Jambienne Barbara Banda. Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde fin 2022, a vu son sélectionneur Walid Ragragui récompensé du titre du meilleur entraîneur de l'année lors que son compatriote Asmi Banou a été élu meilleur gardien.
C'est sur cette actualité sportive, mesdames et messieurs, que nous allons nous quitter au compte de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la chaîne panafricaine IBM Soul TV.